Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa, début du championnat sur Assetto, donc organisé par les VFR avec la collaboration donc de Simracing France. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Alors première manche ici c'est sur Adélaïde, le mode donc c'est Supercar V8, un très bon mode qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là on est je crois sur la version 2017 des véhicules. J'ai un peu de mal à trouver un bon setup. J'ai trouvé les réglages assez difficiles. Aujourd'hui, j'ai toujours pas trouvé la solution. Donc, on va bien voir ce que ça donne. On se retrouve donc sur la grille de départ pour un départ de 46 tours au niveau de la course et une stratégie libre. Voilà, à tout de suite. Bon, ben voilà, les qualifs sont terminés. Je suis à une médiocre 14e place. La première manche du championnat donc va partir d'ici quelques secondes. On n'est pas dans la perf, on va essayer de rester sur la piste. Je pense que ça va être la priorité. Alors, première difficulté. La chicane. Donc il y a du haut niveau, hein. Enfin, juste pour une petite indication, les premiers sont en 1,21, je suis en 1,25. Il faudra faire gaffe lors des dépassements. Mais non, les gars, c'est sérieux. Super briefing début de course. Bah oui. Ah oui. C'est le premier tour, je reviens pas moi. Les freins du premier tour. On est 9e. Derrière. Attention, je freine bien ici. Ça déboîte. Right side. Clear right. Come on, Seb.
Enfin, fais attention parce que je freine très tôt. J'ai le plein, donc... Stabilise un peu les écarts. Celui-là. Allez, je loupe mon freinage. Le cas derrière qui est plus rapide. Passe pas là. Voyons. Devant. Victime du muret. Ouh, gros carton. Ah oui, là. Side's clear.
ça coupe là. Oh, il y aura des dégâts, c'est pas possible. Couper autant. Derrière, il y a un MiG qui est revenu. D'en profiter. Bon, attention, mon freinage tôt. Là, c'est plus coupé, là, c'est... C'est un peu une chicane, ça. Allez, tranquille. Voilà, voilà. Erreur qu'il fallait pas faire. Putain, c'est là-bas. Je savais qu'à un moment ou un autre, ce... vicieux. Allez, j'ai un petit peu de dégâts, enfin de dégâts dans la direction. C'est un peu chiant d'avoir ça si tôt. Allez, on est 11e. Attention, je fais un tour. Okay, sir. Don't let this guy distract you. You're right. Allez, je double mon freinage. Car right. You're right. Bien vu. Come on, man, defend harder. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi peu à l'aise avec une caisse. Ouais, mais ça, non, mais c'est coupé ça. Je sais pas. Deux
tout sur le vibreur, c'est plus. Ou alors j'ai pas compris toutes les règles. Ce qui est possible, hein, parce que c'est la première fois que je roule avec Sim Racing France. Après, ce qui est sûr, c'est que je suis main bon. Là, je suis 11e, mais bon, ça reflète pas forcément le plateau. Je devrais être en dessous. Juste que je regarde au niveau de la chicane comment on peut la passer. Je pense qu'on n'a pas tous le même avis là-dessus. Je m'efforce de bien contourner les vibreurs, mais visiblement il y a une tolérance qui est un peu plus grande que ça. De toute façon, il y a des commissaires de piste qui feront leur boulot. Je regarderai le replay juste pour me convaincre. Je fais une petite dédicace à Thibobi et Kenny qui devaient à la base faire partie du championnat. C'est pas bien les gars. Je comptais sur vous. Par contre je vous confirme, c'est difficile à régler, difficile à conduire. 46 tours, c'est énorme. Ça doit être le dernier tour. J'ai par le carton au départ. Ce qui est dommage. Après on était quand même 20. C'était plus ou moins sûr qu'il allait y avoir un petit peu d'accrochage. Encore un tour, bien je suis tellement loin des autres. Bon, ça va aujourd'hui, pas de problème technique, heureusement. Les dégâts, moi je les ai depuis le début. Mais bon, ça a tenu le coup.
Je suis trempé. Allez, on termine là-dessus. 10e. Au revoir à tous. Bon, c'est une course intéressante. Je termine donc 10e. On était 20 sur le départ. Espérons se retrouver à la prochaine manche avec un meilleur setup. Parce que c'est vrai que c'est la misère. On va dire que j'ai sauvé les meubles, hein, c'est. Une astuce que j'ai pas compris. Mais enfin, c'est pas grave. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour la prochaine manche. Salut à tous.